Le gouvernement guinéen s'investit dans le secteur de la santé des citoyens. C'est dans cette perspective qu'il a offert un important lot de kits en vue d'équiper les hôpitaux du pays. Le ministre de la Santé, au cours de cette cérémonie, a manifesté sa gratitude. Il y a des médicaments, il y a des kits, il y a du matériel médico-chirurgical, il y a également des cyanétiques pour éclairer et beaucoup d'autres. Même les masques d'urgence en cas de réanimation. L'avantage de ces masques-là, c'est qu'ils sont détachables. On peut même sur une route, quand il y a des accidents, pouvoir parvenir au secours des blessés qui en ont besoin. Alors, nous sommes très heureux, nous, professionnels de santé, nous, ministère de la Santé, nous pouvons que remercier et féliciter le chef de l'État. Parlant de la sécurité et de l'acheminement de ces kits sanitaires, le ministre de la Santé rassure que toutes les dispositions ont été prises. C'est que ces matériels iront dans toutes les préfectures de la Guinée, dans tous les hôpitaux. Nous y veillerons. Et nous avons le coulissage au départ et nous irons inspecter, comparer à ce qui est également rentré pour s'assurer qu'effectivement c'est arrivé à bon port. Ensuite, c'est suivi de logisticiens qui vont procéder au montage. Alors c'est une opération qui va certainement durer au moins 1 à 2 mois, mais ça sera vraiment monté et mis à la disposition de ces hôpitaux et nous y veillerons. Pour le directeur général de la pharmacie centrale de Guinée, il s'agit des équipements de qualité. Ce que je peux dire, il faut reconnaître que ce sont les matériels de qualité et qui, j'en suis convaincu, une fois dans le secteur sanitaire, ces matériels de qualité sont les valeurs des utilisateurs et pour la prise en charge sanitaire correcte de la population. Je le dis et je le répète, pour une fois en Guinée, on a pu mobiliser autant de matériel pour les secteurs sanitaires du pays. Et je pense qu'il est important de remercier le président de la République pour sa parole qui a bien voulu rendre possible cette opération, non seulement l'acquisition, mais aussi la distribution. Ça, c'est extrêmement important. Les hôpitaux nationaux connaîtront sous peu des conditions de travail améliorées et les patients pourraient accéder aux soins médicaux.